Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les jeux du Cygne. On se retrouve sur Infection Free Zone. On est sur Belle Île en Mer. On a tous un petit Laurent Voulzy dans la tête. Et on continue de combattre les hordes de zombies, mais pour l'instant qui sont assez peinards, faut bien s'avouer. Troisième épisode. On va voir comment ça se passe. On va fouiller la mairie de Belle-Île-en-Mer. C'est parti. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, à laisser des petits commentaires. Si vous avez des conseils, si. Voilà, n'hésitez franchement pas. On est toujours preneurs. Si vous aimez ça, nous, on aime bien que vous nous le disiez. La communication, c'est important. Donc là, je me suis construit une usine d'outils. Donc il va me consommer de façon régulière deux bois et un métal. Donc ça à prendre en compte dans mes approvisionnements. Pour me fournir des outils supplémentaires. Donc là, j'en ai 17, hein, je suis relativement large pour l'instant. Mais voilà, faut pas se leurrer, ça sera pas forcément suffisant. Il y a bien peut-être bien un moment où ça va être galère. Là, par exemple, je me suis fait une usine d'armes. Et les usines d'armes, bah, ça consomme. Ça consomme gras. Est-ce que je me fais une grosse usine d'armes? Je fais que, bah voilà. Je vais me faire une usine d'armes, je vais en faire une petite pour l'instant. Elle est où? Une usine d'armes. C'est pas ça? Si, voilà. J'ai pas regardé du coup. Attends, est-ce que je peux annuler? Annuler. On se la refait. Usine d'armes. Tac. Tu mets quoi? 12 personnes là-dedans. 61 bois, 31 de fer. 10 de 10 de, bé de métal, oui, donc 10 d'outils, pardon, 10 outils. Hop, alors il n'y avait rien d'intéressant sur la mairie de Belle-Île-en-Mer. Bravo. J'espère que ça sera plus intéressant à la maison de la presse. Hein. Ou au royaume des jouets. Trois bouquins à l'école, c'est bien. Ah, là j'ai du monde. Ah. Là du grabuge. Alors, ça c'est un peu chiant. Quand on a commencé un bâtiment. Voilà. Hop. Ah zut, c'est que j'ai mis personne. J'ai mis personne sur mes tours. Tac. Allez, rentre à la maison toi aussi du coup. Hop. Les attirer, donc là comme c'est un bâtiment adapté hein, du coup il va essayer de grimper. J'aime bien les animations des hop là voilà un petit voilà. Et voilà. Problème résolu. Alors, faut faire gaffe, hein, les véhicules ont aussi des points de vie. De toute façon, je crois qu'ils les perdent petit à petit. Il faut que je me mette.
Est-ce qu'il me reste du... Oui. Un seul sur la récupération, ça va pas être assez. Hop. Retour au QG. Toi, tu vas aller te réarmer au QG. Allez, tu me fouilles tout ça. Et pendant ce temps, toi, tu vas fouiller par là. On avait dit qu'on voulait aller au royaume des jouets. Au spar. Ça m'éclate en fait. D'avoir les bâtiments avec des vrais noms, je trouve ça top. Oh. Roger, il nous a vu. Non. Ça va, je suis trop loin encore. Hop, ce qui est un peu pénible, hein, c'est que quand il est juste en bordure de vision, il te le dit en boucle. 5 heures, normalement il va rentrer à l'intérieur d'un bâtiment. Ok. Ouais, t'as pas chopé grand-chose, toi. Hop. Attends, t'as la parenthèse d'abord. Ouvre une parenthèse. Ensuite, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et tu vides tout ça. Ça va être ceux qui m'ont contacté. Alors. Ah, wow. Ça, c'est top. Eh, vous prenez cher là. Excellent. Normalement, vous prenez des dégâts de jour là. Non. C'est pas bon. Tiens, vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que j'ai mis le fusil d'assaut sur le deuxième et pas sur le premier. C'est le premier qui conduit. Et du coup, le premier, celui qui conduit, il peut pas tirer. Hop. Là, il va falloir que je micro un tout petit peu. Mais il est quand même censé prendre des dégâts en plein jour. Hein. Normalement, les zombies, ça aime pas le. Ah, ou attends. Ah non, une énorme tempête incite l'infecté à marcher du roi. Ça pue. Ça pue. Ah. Ah oui, mais en même temps, je suis en vitesse 2. Couillon. Couillon que je suis. Hop, tiens, viens aider ton pote là. Hop. Alors, ouais, j'ai plus de ressources. C'est un peu le souci. Il faut que je récupère davantage. Hop. Mes 10 gardes là, tac. Même chose, tac, tac. Tac. Ah tiens, je peux chercher. 12 ici, 10 ici. Bon, on va attendre un peu. J'ai vraiment besoin de ressources. Hop. Hop. Même vous là, j'ai du stock. Allez.
Bon. Allez, il faudra lui tirer dessus là. Voilà. Quand même. Un peu pénible. Hop, donc ça c'est fait. Hop, on va aller refouiller ça. Non, il faut que tu rentres à la base, toi. Tac. Toi aussi. Allez. Hop. Hop. Fouiller ça et ça. Tac. On va aller chercher du bouquin. Hop, hop, hop. Donc il faut que je fasse gaffe, hein, parce que quand même, je peux me choper. Désinfecté. Tac. Donc je mets des pistolets dans 1 sur 2. Hop. Il faut que je me méfie. Ce qui est un peu nul, c'est qu'ils peuvent pas tirer en même temps qu'ils se déplacent. On se barre, on se barre. Hop. Ouais, c'est une vraie grosse tempête. Et là, ça sert plus à rien que j'en arrive en décembre, donc je peux plus produire ici. Donc on va continuer à faire. Alors je pourrais aussi me dire que je pourrais remettre mes gardes, hein. Ça pourrait être une idée. Hop, hop, hop. Qui est assez cohérent, c'est que voilà, il faut, pour que les tours deviennent efficaces, il faut que voilà, c'est, il faut que les gens sortent du QG et aillent chercher chercher les gars, quoi. Hop. Plein de bouquins. Moi, je vais aller chercher le fusil de chasse. Production d'armes à feu à haut pouvoir d'arrêt. Production a lieu dans une usine d'armement. Très efficace en combat rapproché. Normal. Ouais, je vais rechercher le fusil d'assaut quand même. C'est une valeur sûre. Hop. Je peux lancer le travail. Ah oui, j'ai pas de scientifique. Signé. Qu'est-ce que je construis? C'est ça là que je construis. 15, je peux en mettre là. Mais avant d'en mettre 15, il me faut davantage de métal. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 5. Hop. Alors. Tac. Allez, on fouille ça. Il y aurait eu un petit échange de... Ah mais non! Pardon. Hop. Hop.
Toi, tu vas me vider la cage du survivaliste. Avec un nouveau fusil d'assaut. Allez, tu évites ça, très bien. Ah bien. Nickel. Allez, tu m'équipes ça et on rentre à la maison. Ah, il a pas pris sa caisse. Couillon. Couillon. Couillon la lune. Mis à dire que c'est moi le couillon, il a bien raison. Allez, par là, tac, 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 tac. Allez, tu me vides tout ça. Hop. Et tu vas me revider à partir de là. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Allez, tant qu'on n'entend pas de... Another one incoming. Ouh, le horde spotted. Où est-ce que tu l'as spoté, la rouge, la horde? Là, ça va. Elle est loin. Les mecs, ils te vident les maisons à une vitesse. Alors, tac, et ensuite, tac, 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 et tac, et tic et tac. Alors, t'as vidé, hop. Allez, c'est bon. Donc, Lady Guard, il lâche l'affaire. Et 10 récupérateurs de plus, 5 scientifiques. Techniquement, là, je pourrais les mettre histoire de terminer. J'ai 22, oui. Je pourrais mettre mes travailleurs, je peux en mettre 6. Allez, où? Ah, un petit event. Ah là là. Sir, we've spotted some people. They're probably armed. They could have seen us too, but I can't tell if they're friendly. What should we do? Eh ben, on va les traiter comme des hostiles parce que c'est des petites saloperies. Treat them as hostile. Ce qu'ils sont. Et il faut faire gaffe à la façon dont on les gère, parce que c'est facile de perdre du monde. Beaucoup plus que contre les zombies. Hop. Et il va falloir être plus intelligent qu'eux. Qui n'est pas si difficile que ça, en théorie. Hop, je peux te sélectionner, s'il te plaît, merci. Alors, hop, voilà. Donc, hop, 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 hop. Hop. Oh, plus résistant qu'avant.
Waouh. C'est beaucoup plus résistant qu'avant. Bien, ok. J'ai eu presque peur. Oh, tiens, va m'accueillir toutes ces merdes là. La vache, saloperie. Bon, ça récupère là. Alors, t'as terminé ici. Toi, tu vas te mettre aussi avec des armes, des pistolets. Bien. Alors, est-ce que je vais tout récupérer? Non. Alors, tac. Tu peux, s'il te plaît, me récupérer. Récupération des trucs au sol, c'est jamais très simple. Voilà. Allez, on rentre à la maison. Bon, c'était. Du coup, c'était une bonne pêche. J'ai quoi? J'ai. Ouais, je commence à. Plutôt bien armé, là. Ah, j'ai toujours pas cherché, mais je suis con. 16h. Ah, c'est plus long aussi. Ça, ça, ça. Hop, 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 hop. Hop. Tac. Vegan. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Tiens, je pourrais. Hop, inviter. This is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Ok, il faut que le fouquet 1090 mètres carré. Waiting orders. Hop, allez, on accélère un peu. Alors, on va retourner. Oui, il me reste plein de plats à préparer. Donc, tac. 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 Je commence à avoir un peu de métal. Ok. Ah, merde. Est-ce que mes tourelles vont suffire? Normalement, oui. Bon, ça va l'endommager un peu, il faudra que je la répare. Hop, c'est ta vidéo là. Bon, le temps qu'il arrive. Ah, sauf qu'il y en a une autre. Ah, c'est rigolo. Elles sont coincées derrière les. Derrière les murailles. Alors, t'as rien trouvé d'intéressant si. Hop, allez. J'ai vidé ce secteur-là. Hop. Je vais aller vider ici.
Je sais pas trop. Eh non, non. Je vais aller là, et puis ensuite je vais retourner par ici. Où qui sont les vilains? Ils doivent être loin. Tirez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Merde. Bah oui, je sais que tu need du backup, hein. Je suis un peu con aussi. Allez, on va faire un peu de backup. Attaquer là-bas, ça c'est pas cool. Bon, tout le monde back. Non, alors tu vas aller là, s'il te plaît. Voilà, avec la touche Alt, hein, je peux lui dire de passer à travers champ. Hop, voilà. Et toi, hop, hop, hop. Arr. Il a décidé qu'il voulait plus fonctionner. Hop. Allez, rentre à la maison. Donc là, c'est pas bon du tout parce que. Hop. Allez, là. Brom, brom, brom. Tac, tac, tac. Ah, la porte. La porte est au mauvais endroit. Ligne de vue, il faut faire très attention. C'est pour ça que démolir les petits bâtiments, ceux-là, en fait, il faut aussi que je les fasse tomber. Parce que quand je me fais attaquer. Ouais. Quand je me fais attaquer, le problème, c'est que du coup. Je peux pas tirer depuis un bâtiment vers un autre. Donc ça peut être un très mauvais plan. Il faut y faire un peu gaffe. Donc, on était en train de défoncer ces gens par ici. Avant d'être grossièrement interrompu par une horde de zombies. Sont partis où? Ouh. Les zombies. Alors rien ne vous empêche de mettre deux équipes dans le même bâtiment, ça les fera fouiller plus vite. Bon, je sais pas où ils sont partis. Il y a du mal à gérer quand il y a deux escouades l'une sur elle, ou deux véhicules l'un sur l'autre. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Deux d'un coup, c'est trop. Allez, Kylie. Non, tu veux pas leur tirer dessus? Ok, bon, ils ont décidé qu'ils étaient chiants cette nuit. Bon, tant mieux, hein. Hop, tu vas là et tu rentres à la maison. Ah.
c'est le jour. Il rentre à l'intérieur. Hop, allez. On va aller. On va envoyer tout le monde, on va nettoyer ça. J'aime pas trop avoir les zombies juste à côté. Hop. Operator, this is big. In one of the houses, we killed two extremely fierce infected. Once they were down, we noticed that there was a child in there. A living infected child. Must have been no older than three. It ran on all fours like an animal and jumped into the sewers before we could get it. For the love of God, if they can multiply. I don't even want to think what's gonna happen. Ouais. On va essayer de le choper. En vie? Ouais. Je sais pas si j'ai très envie de le garder en vie, mais... Hop. Tac. Allez, on va aller au cinéma. On va aller nettoyer ça de... Oh, que ça lag. Ce qu'on va faire, on va envoyer tout le monde. Hop. Directement ici, on va tout nettoyer. En espérant qu'on se prenne pas un mauvais coup. Voilà. Rapide et efficace. Efficace et pas cher. Non. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Boom. Zéro garde, plus de récupérateur, plus de constructeur. Est-ce que j'ai fini? Non, il me reste encore plein de... Bon, c'est quand même déjà mieux comme ratio. On a dit qu'on continuait de péter hein, les petits bâtiments. En fait... Ouais, même 112, 110, tout ça c'est... Allez. Allez, les trucs encore plus petits, les petits cabanons. De rien du tout. Est-ce que là, il y a même une petite crotte là. Regardez ça, 110. Ouais. Je vais me fixer une limite à 150. Tout ce qui est au-dessus de 150, je garde. Job done. Zone nettoyée. Ah, très bien. 111, on casse. 166, on garde. Tac. . 145, c'est trop petit. Allez, on nettoie. Alors, on est en février. Peut-être que... Hop. Que va nous apporter cette nuit? Ah, des survivants en plus. Ah bah ça, c'est... Ils ont l'air nombreux. Ça doit être ceux que qui m'avaient contacté précédemment. D'ailleurs. Sir, we've encountered a group of people willing to join us.
Eh ben oui. Send them in. Hop. Tac. Que dit la météo? Rien de particulier. Ah, j'ai pas mis mes gardes. Tac. Tac. Allez, ça revient. Hop. Tac, viens par là. Ouais, tu viens là, s'il te plaît, également. Work done. On va aller à l'EHPAD. Hop. Bon, bah mine de rien, on a bien vidé la zone, mais on voit qu'en termes de bouffe, hein, certes, c'est correct, mais faut faire un peu gaffe quand même. Hein. Parce que mine de rien, j'ai du monde à nourrir. J'ai une population de 60. Je crois que de mémoire, chaque jour, une personne doit consommer un de bouffe, j'imagine. Je suis pas certain de mon coût, mais. Donc voilà. Faut se méfier un peu. Les gardes, c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Je vais remettre des agriculteurs. Préparateur d'aliments, ok, tac, et puis, et j'ai plus, ah non, 79, constructeur, oui, j'ai ce qu'il me faut, là, comme, j'ai moins besoin, hop, hop, voilà. Wally, voilou, tout ça, ici, ok. Et voilà, j'en récupère 7 de plus, ça c'est cool. Tac. Chief, we're scavenging this place, but there is something odd about it. Someone must have been here recently. Get on the ground. Ah, ah. Your weapons. Hands where I can see them. What's going on? Nice little squad you got here. Very, very nice. Who are you? You know, just a humble man earning his living on the road. Que voulez-vous? What do you want? I don't know. What can you offer for your people's lives? Hmm.
Just tell me what you want. Let's see. Canned food. Shitload of cans full of delicious stuff. God, I'd kill for a chicken soup. Oh, wait. Alors. Donc. Release them now. Or else what? We'll retaliate. Now, now. Let's be reasonable. Consider what I'm about to say. You ready? Just say it already. This is how it's gonna go. You're coming here with supplies and quit. You take too long, your people die. You bring any weapons, poof, they're dead. So, yeah, that's about it. We do this, and you let my people go? Yeah, yeah. A deal's a deal. On va accepter. All right. Mais we'll be there. We'll bring what we can. On verra. I'm glad we have an understanding. Ce sera pas forcément. Je vais peut-être pas y aller selon ces termes. Il me faudrait 4 caisses de bois. Ceci dit, c'est pas très très cher, mais. Mais bon. Ah, en plus, c'est mon groupe qui a les deux. Je pense que je vais pas forcément l'écouter. Mais ça, on verra ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce. Et je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.